Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir la pioche Fall Guys en récompense sur Fortnite. Donc pour obtenir cette pioche, vous allez devoir télécharger Fall Guys sur mobile et sur iOS, mais uniquement dans l'Union Européenne si vous avez un iPhone. Par contre, si vous êtes sur Android, c'est complètement mondial, ça fonctionne partout. Donc ce que vous allez faire pour obtenir cette pioche, c'est de télécharger Fall Guys, mais pour télécharger Fall Guys, il vous faudra accéder au Play Store de Epic Games. Et donc pour obtenir ce Play Store, je vais vous montrer comment faire. Vous allez sur Google. Ensuite, quand vous êtes sur Google, là vous allez taper Launcher Epic Games Android. Voilà, vous tapez Launcher Epic Games Android. Ensuite, vous cliquez sur le premier lien Epic Games Mobile Fortnite. Alors ensuite, vous arriverez sur cette page et là vous allez devoir tout simplement cliquer sur Retry Download. Donc le reste, ça vous explique comment l'installer tout simplement. Donc vous cliquez sur Retry Download. Donc moi, je ne vais pas le télécharger parce que je l'ai déjà téléchargé. Mais quand vous l'avez téléchargé, quand vous avez fini de le télécharger, vous appuyez sur Ouvrir, vous installez. Et quand vous aurez terminé de l'installer, juste ici, vous aurez le Play Store. Et dans le Play Store de Epic Games, donc le launcher, vous pourrez télécharger Fortnite pour mobile. Mais vous pourrez aussi télécharger Fall Guys. Donc quand vous aurez téléchargé Fall Guys, ce que vous allez devoir faire ensuite pour obtenir la pioche en récompense, c'est tout simplement terminer 5 niveaux. Donc vous faites 5 parties et dès que vous aurez fait 5 parties, là vous obtiendrez une récompense sur Fall Guys, mais aussi vous obtiendrez la récompense de la pioche Fall Guys sur Fortnite. Alors le téléchargement fait 1,92 GB et j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Normalement, ils vont vous demander d'associer votre compte. Associez bien votre compte Fortnite, donc votre compte principal, quand vous installez le launcher d'Epic Games ou quand vous lancez le Fall Guys, normalement ils vont vous demander quel compte vous voulez associer si vous n'avez pas encore déjà associé un compte au launcher d'Epic Games Mobile. Moi, normalement, ils vont pas me le demander parce que tout simplement, j'ai déjà associé mon compte sur le launcher d'Epic Games. Quand je lance Fortnite, ça me connecte directement sur mon compte. Donc là, logiquement, ils ne devraient pas me le demander. Donc on va voir, de toute façon, c'est en train de s'installer. Ah ben si, au final, ils me le demandent quand même parce que regardez, se connecter avec Epic Games. Donc là, je valide le truc. Et ensuite, ok, ils vont me demander directement de me connecter avec un compte Epic Games directement. Donc bien évidemment, vous vous connectez avec votre compte principal et quand ce sera fait, là vous pourrez accéder à Fall Guys via votre téléphone, faire 5 parties et débloquer des récompenses sur Fortnite. Code créateur SCD.